Oh, regarde ces beaux papillons. Il y a un rouge et un vert. Un papillon vert et un papillon rouge. Ça fait deux papillons. Il y en a toute une collection. Le petit dernier a l'air perdu. Il faudrait pas l'oublier. Compte avec moi. Les deux gros et un, deux, trois petits papillons. Deux parents plus trois bébés papillons égale cinq jolis papillons de toutes les couleurs. Est-ce qu'on peut compter des animaux différents aussi? Bien sûr. Si on ajoute un chat aux cinq papillons, cela fait un de plus. Et six animaux en tout. 1 plus 5 égale 6. Il a avancé de 7 cases. Et 3 de plus. Mais que fait ce chat? Il veut qu'on les ajoute. 7 plus 3 égale... Attends, laisse-moi compter sur mes doigts. 10. Et 1 de plus... 11. C'est encore une addition. Serpentin, Serpentin, réveille-toi. Colette a pondu un bel œuf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est une dizaine. 10 plus 1 égale 11. C'est une nouvelle dizaine. Et deux de plus. Combien avons-nous deux en tout? On a donc deux dizaines d'œufs, ça fait 20, plus trois œufs pondus. Qu'avons-nous finalement? Une omelette? Mais non, la somme, c'est 23. Pour ajouter un nombre à un chiffre à un nombre à deux chiffres, il faut compter les dizaines ensemble, puis rajouter les unités. Oh là là! 8 œufs! Bravo, Gina! Merci, les poulettes! On va savoir combien nous avons d'œufs maintenant! On en avait 23. Alors 23, c'est 20 plus 3. Il y a donc deux dizaines. On compte les unités. 3 plus 8, ça fait 11. Il y a une dizaine de plus. Ça fait 3 dizaines. On obtient 31. 23 plus 8 égale 31 œufs. Bonjour Gina, bonjour Colette. Bonjour petit poussin. T'es trop mignon. Combien y a-t-il d'œufs dans cette boîte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ce sont des boîtes de 10 œufs. Dans cette boîte, il y a une dizaine d'œufs. Mais avec toutes ces boîtes, on a combien d'œufs au total? T'es trop forte, Colette. Tu as 3 boîtes de 10 œufs, donc 3 dizaines d'œufs. Et toi, tu as 5 boîtes. Alors, on a combien de boîtes en tout?
3 plus 5 égale 8. Donc on a 8 boîtes. Ou 8 dizaines de... Et toi, petit poussin, t'as compris? C'est un zéro. Regarde, maintenant ça fait 30 plus 50 œufs. 80 œufs. Eh oui, 8 dizaines égale 80 unités. Alors toi qui sais ajouter des dizaines, peux-tu calculer 20 plus 10? 2 plus 1 égale 3. Donc 20 plus 10 égale 30. D'accord, il faut additionner les dizaines. Alors, peux-tu calculer 30 plus 30? Et 40 plus 20? Et 10 plus 50? Bon. D'accord, d'accord, petit poussin. On va additionner nous-mêmes. On photographie quoi? Tu m'as promis une surprise. Attends, tu ne les vois pas, mais... ils sont là. Waouh, comptons-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait pile une dizaine. Papillons rouges plus 4 bleus égale 14 papillons. Dix-sept, dix-huit, dix-neuf et 20. Incroyable! Ici, il y en a 20. C'est vraiment la prairie aux papillons. Et 3 de plus! C'est moi qui fais l'addition. 20 plus 3 égale 23 papillons. Et combien y a-t-il de papillons dans toute la prairie? Oh non! Vilain matou! Comment on va faire notre addition maintenant? Heureusement, on a les photos! Bien joué! Bon, je commence par les dizaines. 10 plus 20... ça fait 30! Ou 3 dizaines! Autour des unités maintenant. 4 plus 3 égale 7. Bon, si on ajoute 30 plus 7, ça fait 37. Il y a donc 37 papillons dans la prairie. Merci les craies pour ce magnifique arbre de calcul. Pour faire une addition, on peut aussi la poser. 4 plus 3... 7. T'as vu? Pour une addition posée, on commence toujours par compter les unités. Et ensuite les dizaines. Une dizaine plus deux dizaines égale 3 dizaines. Et bien sûr, on trouve le même résultat, 37 papillons. Dont un sur le nez du chat. Oh là là, tous ces papillons. Je me demande combien il y en a. Le chat, tu veux bien nous aider? Regarde, pour ça, on a amené des serres à papillons. Tu n'as qu'à les faire entrer dedans et on pourra les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 aussi. Chaque serre contient 10 papillons. Mais... et les autres alors? 10 papillons plus 10 papillons, c'est 2 dizaines. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papillons, ça fait 27 papillons en tout. Regarde, le chat a trouvé une autre prairie aux papillons. Oh, et dans cette prairie, il y a une dizaine de papillons. Et 1, 2, 3, 4, 5 papillons. 15 papillons.
Oh là là, mais ça fait beaucoup de papillons, ça. Comment on va faire pour savoir combien il y en a en tout? 27 plus 15, ça fait 27 et 1, 28, et 1, 29, et 1... Oh là là, je ne vais jamais y arriver comme ça. Et pourquoi tu poses pas ton addition? 27, c'est 2 dizaines, et 7 unités. Et 15, c'est 1 dizaine et 5 unités. Et pour faire la somme de tous les papillons, on commence toujours par... les unités, à droite. 7 plus... 5 égale... 12. 12. Il y a une nouvelle dizaine. Je pose 2, je compte les dizaines sans oublier la retenue. Alors, 1 plus 2 plus 1 égale 4 dizaines. Il y a donc 42 papillons au total. Le chat? Mais qu'est-ce que tu fais? Il préfère pourchasser les papillons plutôt que de les compter. Hé, le chat! On va chercher des œufs au poulailler. Tu viens avec nous? Ah, tu ne veux pas laisser ton chaton? Il est sur la case 11. Eh bien, va le chercher. Je parie que tu ne sais pas de combien de cases le chat doit avancer pour arriver jusqu'à lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Il a avancé de 8 cases. 3 plus 8 égale 11. Et maintenant, au poulailler. Toutes les poules ne sont pas encore rentrées? Le fermier nous a dit qu'il en possédait 23. On pourrait compter combien il lui en manque. Alors, sur le perchoir du haut, il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poules. Une dizaine, quoi. Plus une poule, 11 poules présentes. Le perchoir du milieu a le même nombre de nids que celui du haut. 10. Donc sur ces deux perchoirs, il y a 2 dizaines de poules. Pour aller de 11 à 20, il faut 9 poules. Il y a aussi 3 nids vides. 9 plus 3 nids vides égale 12. Et si on ajoute les 11 poules qui sont là aux 12 poules qui manquent, ça fait bien les 23 poules du fermier. On va vérifier en posant une addition à trous. À trous? Comme dans le gruyère? Mais non! Allez, 11 poules, c'est une dizaine de poules plus une. On commence toujours par les unités. Alors de 1 pour aller à 3, ça fait 2. Maintenant les dizaines. De 1 pour aller à 2, ça fait 1. 11 plus 12, ça fait bien 23 poules. Et avec tous ces bons œufs, on va pouvoir faire plein de crêpes. Si le chaton ne les casse pas tous. Bonjour, Serpentin. Bon... Oh non, Gégé, tu vas pas venir nous embêter. Bon, tu peux rester. Mais tu ne nous gênes pas, d'accord? Oh, regarde comme ils sont beaux. Magnifique. J'aimerais qu'il y en ait 10 comme ça. D'accord. Alors, voyons voir. Si on a 3 papillons sur une branche... combien en faudrait-il pour en avoir 10 en tout? Comptons ensemble. De 3 pour aller à 10, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait 7. Le rêve, ce serait d'avoir plein de papillons multicolores. Oh oui, mais combien? C'est quoi ton nombre préféré? 47. Alors 47 papillons, ce serait bien.
zut, j'en compte seulement 19. Bon, on est plus très loin de 47 alors. 19 plus quelque chose égale 47. Il en faut ne pas... Oh, mais j'en sais rien, moi. J'ai pas assez de doigts. Pour avoir en tout 47 papillons, on va poser l'addition à trous à la verticale. Je commence par les unités. 9 pour aller à 7. C'est impossible. C'est donc 9 pour aller à 17. Ça fait 8. 9 plus 8 égale 17. Donc, on pose le chiffre des unités 8 et on retient 1. On continue avec les dizaines. 1 plus 1 égale 2. 2 pour aller à 4, c'est 2. Je pose le chiffre des dizaines. 2. Ça fait 28. Donc, pour avoir tes 47 papillons, il en manque 28. Oh!